Pas mal. Non, je voulais plutôt vous parler de quelque chose de tout à fait monumental. Laissez-moi vous présenter... Pacific Sound 3003. Il est très clair que je pourrais passer un épisode entier à parler de lui, car sa chaîne comptabilise à ce jour plus de 2500 vidéos. Ça... Hop là. Je recommence. Quelque chose de tout à fait monumental. Laissez-moi vous présenter... Pacific Sound 3003. Il est très clair que je pourrais passer un épisode entier à parler de lui, car sa chaîne comptabilise à ce jour plus de 2500 vidéos. Stop. Je recommence. Laissez-moi vous présenter... Pacific Sound 3003. Entier à parler de lui, car sa chaîne comptabilise à ce jour... Je fais exprès de prendre mon temps. Je fais exprès. Plus de 2500 vidéos. Voilà. Alors, qu'est-ce que moi je pense de ce de ça là, juste cette prise là. Alors je me dis que Monsieur Antoine Daniel a vu un individu qui a fait plus de 2500 vidéos qui sont visibles actuellement sur sur YouTube. C'est ça que je me dis. Mais je vous dis la vérité, la manière qu'il en parle, je n'ai pas le sentiment que c'est de moi qu'il parle. Parce qu'il y a trop d'intensité, trop de force, trop de vivacité dans la manière qu'il parle. Des fois, je me suis dit, mais comment il pense ? Je me suis dit sérieusement, je me suis dit, mais comment il ne pense pas que je suis un être humain ? J'ai eu le sentiment, mes chers fans, quand monsieur Antoine Daniel a fait la vidéo sur moi, Pacifique, ça en soi, mets-toi, qu'il a fait la vidéo d'une personne qui n'est pas humaine. En regardant la vidéo, je me suis demandé est-ce qu'il parlait d'un être humain. Je reprends. En regardant la manière dont M. Antoine Daniel m'a présenté à son public, je me suis demandé s'il parlait bien d'un être humain. Bye.